Salut, c'est Wendy. Le comité technique académique sur les postes du second degré a été reconvoqué lundi 8 avril pour discuter des suppressions de postes. Nous, à la FSU, avions décidé de boycotter la première convocation. La division des moyens avait refusé de répondre à nos questions lors du groupe de travail et nous avons donc décidé de publier une lettre ouverte pour dénoncer les suppressions de postes non demandées par le ministère. En effet, le ministre avait demandé la suppression de 86 équivalents temps plein, plus d'autres heures supplémentaires sur lesquelles le ministre avait refusé de communiquer. Selon les calculs du SNES national, les suppressions dans notre académie n'auraient pas dû dépasser 100 ETP. Mais monsieur le recteur a décidé d'en supprimer 119. La séance de comité technique s'est particulièrement mal passée puisque le recteur a refusé d'expliquer ses choix. Le choix de la précarité avec les suppressions de SECPA dans le sud Basse-Terre. Le choix de la précarité encore en n'étudiant pas les demandes des équipes pédagogiques de cet établissement. De transformer des heures supplémentaires en heures postes alors même que ces heures ne seront pas assurées par les collègues. Le choix encore de la précarité en organisant une rentrée qui reposera exclusivement sur les épaules des non-titulaires, recrutés à la hâte, sans formation, sans tuteur, en violation avec la législation en vigueur. La FSU, après plusieurs heures à argumenter et à mettre l'administration devant ses propres contradictions, a finalement décidé de voter contre la suppression de postes dans le second degré, avec les autres organisations syndicales qui n'ont absolument pas pris part au débat. Maintenant, il faut se préparer à l'action, avec la perspective de la grève du 9 mai, contre le projet de loi de destruction de la fonction publique de Darmanin. Cette grève doit être massive. Mobilisons-nous. Ensemble, on est plus forts.